Shalom Aleichem, on est dans Siman Tav Kuf Nun Dalet, Varim Asurim Betisha Be'av, les choses qui sont Asur Betisha Be'av. Il faut savoir qu'est-ce que c'est Moutar et qu'est-ce que c'est Asur. Tisha Be'av, c'est Asur Be'achilav, Shkia, Ve'chitsa, Ve'sicha, Ve'dinat Asandal, Ve'stashmish Amita. Tisha Be'av, c'est Asur de manger, de boire, de se laver, de se moindre, de mettre le sandal, c'est le cuir, et de faire la mitzvah. C'est assourd de dormir même dans le même lit que sa femme. On verra maintenant jusqu'à où ça va y aller. Okay. Et la nuit, le jour, ça, c'est la même chose. On n'a pas le droit de manger seulement la veille. La veille, c'est quoi? C'est jusqu'à la shkia de Tisha B'Av. Et le Ben Hashmashot, ça veut dire entre la Shkia et Tzeta Kochavim, c'est assour aussi de manger et de toucher l'eau, etc. Comme Yom Kippourim. Im ki belala veferouj besvatam shelo yoch leechol achar soudat mafseket assour lo leechol yoter afilu oden yom. Si il a pris sur lui clair que dans sa bouche il dit voilà, il a arrêté de manger. Ok. Asouda mafseket, ça veut dire la Asouda mafseket, il a fait à 6h30. Et il a fini jusqu'à 7h30. Et à 7h30, il a dit, bon, tu as encore un quart d'heure. Mais lui, il a dit, je ne mange plus. Et même que c'était 7h, quand même, il n'a plus le droit de manger, parce que c'est comme un éder. Aval, inkibel alavir, urbele, benakabala. Mais si, par exemple, il a dit dans son cœur, il a dit, bon, j'arrête de manger, j'ai fait maintenant, je commence maintenant aujourd'hui, de maintenant, le taranit. S'il a pris dans son cœur, ça ne s'appelle pas Kabbalah, ça ne s'appelle pas qu'il a pris. Il a pris sur lui. C'est conseillé d'être rigoureux, de ne pas fumer Tisha B'Av. La plus forte raison, il faut être mahmir, être rigoureux. Quand tu es à la Beta Knesset, et tout le monde, ils font des chants de Tisha B'Av, et toi, tu avec la cigarette. Aval et Tzorech Tzat. Si maintenant il a besoin un peu, les mishiragil meod mishum mishlo tzar gadol mivniato mishum zigayot, et l'homme si maintenant il va s'empêcher de fumer, ça va être une bombe nucléaire. Il va essayer de qu'elle, il va s'énerver au machukazé. Mets-toi de côté, personne te voit, personne t'entend, fume, tu t'es calmé, vois bien, d'accord? Ça, c'est Avodat Hashem. Un homme, il se connaît. Il se connaît. Calme-toi. Comme ça, après, tu es bien dans ta peau et personne ne va souffrir à cause de toi. Ça, c'est... Il n'a pas le choix, le bonhomme. Mais, Yesh Le'atirlo, on peut le permettre de fumer B'tisha B'Av, B'sina, en cachette, B'tombeto, dans sa maison. Avalo Yashem, B'tisha B'Av, par contre, devant tout le monde, il n'a pas le droit de fumer, Mishal Samot, Avnano Agim, Le Hashem, Yom Tov, Alyede. Ken. Mishal Samot, Avnano Agim. Mais par contre, dans les autres jeunes, quel jeune qu'on a, Tsong Gedalia, Mishal Zabet Amouz, Asara Betebet, Negina Tester, ces jeunes-là, même si maintenant, Ken, et il y a une contradiction, il y en a qui voulaient dire qu'il y en a une contradiction, que quoi? Ça veut dire que Yom Tov, il fume. Yom Tov, il fume de feu à feu. Il y a un feu qui est allumé, il allume ses cigarettes et il fume. C'est Moutab Yom Tov. Alors ça s'appelle Ochel Nefesh. Maintenant, quand tu jeûnes, comment tu vas fumer? Comment tu vas fumer? Alors, est-ce que ça s'appelle aussi que ça sera Assur ou non Ochel Nefesh? Il dit le Rav. Même que tu te contredis quand même, c'est Mouta et Hachem de Tarnit. C'est Mouta de fumer, même quand tu jeûnes. À part que Tisha B'Av, il faut éviter seulement que quelqu'un, que lui, qui n'arrive pas, fume en cachette chez toi à la maison. De se laver. Tisha B'Av, c'est assour, même avec de l'eau chaude ou même avec de l'eau froide.
Même mettre le doigt dans l'eau, c'est assour. Ça représente quoi de se laver pour que ce soit interdit? Parce que tu es né, tu kiffes. Quand tu mets le doigt dans l'eau, tu kiffes. Seulement, on verra, il y a des cas que oui, ce sera permis. Un homme lui, il lave le petit. Il l'a fait sur lui. Alors, c'est pas assour. Tu prends des lingettes, si c'est possible. Si c'est pas possible, tu dois le laver. La maman, elle peut laver le petit. On verra, mais de mettre le doigt à le Kohen, il peut se laver les mains. Le Kohen, quand il va y aller au Doukhan, il fait la netila avec les kelis, c'est moutard. Alors, Rehitsa Sheta Anu, ça c'est assou. De se laver, tu tiens profit de cela, c'est assou. Mais, si par exemple tu es sorti des toilettes, oui, tu dois te laver les mains, mais pas les mains, tous les mains, et là, rien que les doigts. On verra. Il dit le Rav, Shachrit, Venotel Yadav, et un homme que lui qui se lève le matin, il doit faire la Netilat Yadayim, mais il doit faire la Netilat Yadayim jusqu'à la fin des phalanges. Et après que tu as essuyé, il reste un tout petit peu encore d'humidité. Là, tu vas passer vers tes yeux comme ça, et ça va. Et si maintenant, quand même, il ne peut pas, ses yeux, là par exemple, il y a des saletés, et lui, il a l'habitude de se laver la figure. Prends un tout petit peu de l'eau et passe avec l'eau. Oui. S'il veut aller au migvé. Assour d'y aller au migvé. S'il n'était pas à la figure. Même. Il y aller au migvé. Non. La nuit, il y va. Mais il faut qu'il se nettoie, non ? La nuit, à Kamana, donc, quoi, se nettoie si. Avec un torchon et c'est tout. Quelqu'un qui a sa main qui est sale, de la boue ou sale, des excréments, il peut se laver et faire passer le lichlour. La saleté, et là il va se laver rien que pour enlever. Le lichlour. Kohen shenotel yadav le birkat kohanim. Un Kohen que lui qui se lave les mains pour birkat kohanim. Notel yadav atzof aperek emo b'shar yamad hashana. Il doit se laver le Kohen les mains comme il a l'habitude de se laver les mains. Parce que il ne va pas tenir profit. Aval ayotzele shirutim. Un homme que lui qui sort des toilettes. Notel ad kishrez veotav déjà d'ay bezé. Il se lave jusqu'à la fin d'ici, de ses phalanges. Et là, il y a d'av ayoum le frachot chatz, notel yadav télé la vire à l'éclou. Seulement, si maintenant ses mains ils étaient sales, il était aux toilettes, ils étaient très sales, et lui maintenant il veut se laver les mains pour enlever la saleté. Alors là, c'est mouta. Nashim. המבשלות ומדיחות הירקות במים, אף על פי שידיהן נוגעות במים, אין לחוש על זה כלל, ושיחה אינה אסורה, אלא לטענות. Une femme, כן, elle veut cuire, elle a besoin de laver les ירקות, c'est les légumes, même qu'il touche l'eau, il n'y a aucun problème. Lave ton légume comme tu peux, et après, tu peux faire ta salade, tu peux faire ton manger. Sicha, le shem ta'anu, zemuta, ze asou. Sicha, c'est de wine. Pour tenir profit, ça c'est asou. Ken? Chazak baruch.